Hello, bonjour. Aujourd'hui, je vais parler de Meghan Markle. J'avais fait une vidéo sur son apparition dans l'émission de Ellen et j'avais oublié de mentionner un fait assez important, c'est-à-dire une donation qu'elle a faite à une fondation créée par une femme extraordinaire. Je vais remettre dans le contexte. En fait, des fonds ont été donnés en direct à une certaine Brittany Starks. C'est une femme qui a créé une fondation pour aider les parents à maintenir les cheveux de leurs enfants. Les parents qui ne peuvent pas se permettre les parents noirs américains, afro-américains, qui ne peuvent pas se permettre d'aller au salon ou alors d'embaucher quelqu'un pour natter les cheveux de leurs enfants. Donc, en fait, quelle est l'histoire de cette femme? Elle était sans abri. Elle a décidé de déménager à Antioche il y a 3 ans et ses amis lui ont permis à elle et ses enfants de survivre en leur offrant des backpacks, des chaussures, des habits. Les backpacks sont des sacs pour enfants. Et pour les remercier, elle a décidé de tresser ou de natter les cheveux de leurs enfants. Ce qui a commencé tout simplement comme une aide apportée à certaines personnes pour leur avoir rendu service, s'est transformé en quelque chose de plus grand parce que après ça, elle est allée sur Facebook pour proposer ce service aux parents qui n'avaient pas les moyens de le faire pour leur enfant. Donc, elle décidait de tresser ou de natter les cheveux de ses enfants. Donc, ça a pris de l'ampleur. Grâce à ça, elle a pu créer une association parce qu'il y a des dons qui sont arrivés. Et c'est comme ça que son histoire est arrivée aux oreilles de Ellen DeGeneres, qui l'a fait venir dans son émission au moment où Meghan Markle s'y trouvait. Et Meghan Markle, à travers Archwell, lui a fait un don de 20 000 dollars, un don par chèque qui sera remis à son association qui s'appelle A Twist for Greatness, c'est-à-dire des tresses pour l'excellence. Voilà, donc c'est ça que je voulais dire. La duchesse, à travers Archwell, la duchesse et le prince Harry, hein, à travers Archwell, ont fait le don de 20 000 dollars. Donc, c'est parfait, c'est ce que je voulais dire sur cette histoire-ci que j'avais oublié de rajouter dans mes précédentes vidéos. Si vous avez quelque chose à rajouter, n'hésitez pas. Je remercie d'ailleurs Christine, l'une des commentatrices sur cette chaîne, qui m'en a fait la remarque. C'est elle qui m'a rappelé que j'avais oublié de rajouter ça. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.